petit nuage du typhon. Si on prenait un bateau. Ça semble être la chose la plus sûre à faire aujourd'hui. Ah ouais. Je t'ai jamais vu aussi bien coiffé. Ah. On prend plein la gueule, mais ça va. Franchement, si c'est que ça, c'est bien. Arigato! Oh l'enculé! Pas pour un cerveau. Ah, ah, ah. On a des gros mecs qui sont dehors à faire le passage. Oh putain! Là. Oh la bourrasque! Ok. Bon, on va peut-être en prendre un peu plein la gueule. Je suis pas sûr que le bateau soit de l'idée. Si, on y va. On y va, j'en ai pas. Il se met les tailles, les messieurs. Allez, bientôt on fait une Michael Jackson. Ça souffle bien quand même. Hein. Putain, les carpes, c'est pour ça qu'ils ont Magikarp en mascotte. Quoi? C'est pour ça qu'ils ont Magikarp en mascotte. Il y a Magikarp en mascotte. Bah, les carpes, je te jure. Non, je te jure que c'est vrai. Je te jure, j'ai filmé des Magikarp en partenariat avec le truc. Et je comprenais pas, je t'ai dit, mais pourquoi? Pourquoi choisir ce Pokémon là? Prends les Léviator, faire un ah, ils doivent pas être très bons alors. C'est comme ça que nous allons braver les mers. Très important le typhon, rien du tout, oui. Hein? Coucou, qui c'est qui voit bien rien derrière? Coucou. Muriel, souris. On est les deux connards, niquez la vue. Il est où mais tu le pire. Allez voir comment les gars. Qu'on peut la caresser. J'ai envie de la caresser. Vilaine la biche. Vilaine le biche. Arigato. Arrête, on dirait un clip de PNL. Attends. La vie c'est dur comme un cactus. La vie c'est dur comme un cactus. Casse-dalle, rends le casse-dalle. Rends le casse-dalle, putain, elle s'en fout. Tu veux voir Tim se faire manger? Elle est pas contente. Hein. Oh, ok. Tu la tires juste avec le bruit. Voilà, regarde. Tu la tires avec le bruit. Oujou, oujou, oujou. Et puis voilà. Salut toi. Oh, il va manger le truc. Mec, t'as un amoureux? Je savais que tu pouvais draguer. Ah non, mais là, elle te suivra jusqu'au bout du monde, mec, laisse tomber. Oh l'amour mon gars, mais relui. Elle le suit mec. Non. Ah. Un changement d'axe. Ah non. Non non. Bon ben on l'appelle comment? Elle va revenir, tu vas pas comprendre. Oh merde. Ah, elle t'a retrouvé, elle merde. T'a retrouvé gros. Non mais va pas aussi vite Pichou putain. Ouais, ma main bonne, elle va me couper.
laisse toi te bouffer putain. C'est la seule qui veut de toi actuellement, alors merde. Oh bâtard. T'as mis du temps. J'ai mis un peu de temps là. Sommet. En tout cas, elle te veut, hein. Tu vises quoi? Ce que tu veux. La voiture? Le jeu de cartes. Le jeu de cartes? Oh! Le pistolet, ça va être trop chaud. Mais essaye le jeu de cartes, quand même. Joli! Non, j'ai pas eu de main. Elle peut faire mes boutiques après, hein. Putain de merde! Dommage. Bah, pour Kevin, c'est toujours rentable, ce genre de... Quoi? Quelques gouttes. Quelques gouttes. Excusez-moi, je ravale mon poumon. Et je suis bon. Allez, dernier mètre, on y croit. Ouais. Yes. Oh, j'ai prié un peu. C'est pareil, c'est pour rentrer, hein. Il y a de l'eau. T'as le swag incroyable de ces statues. Kevin a tombé le t-shirt. Il est au bout de sa vie. Il a dit tant pis pour le respect des Japonais, je m'en bats les couilles. Sponsorisé par Global, hein? Geek. Global Geek sponsor. Le coup ou pas? Plus que toutes les autres randonnées, voilà. Ah ouais, tu trouves? Ouais, je sais pas. Mais tôt. Non, on a fait des trucs cool quand même. Non, on a fait des trucs cool, mais le point de vue là est juste ouf quoi. Timothée! Pichu! Pichu! Regarde-moi ça! Regarde, tourne autour de toi, mec! Regarde bien autour de toi. Ah, c'est beau, hein? Regarde d'où on vient surtout. Par contre, on va s'envoler dans pas longtemps. Non, on dirait un raton laveur. Un tanuki peut-être. Tanuki. Donc c'est bien un tanuki. Ça va? Ici la Pichu totalement mort. In French. Il a une douleur à la cheville, il s'est tendu la cheville, il a grimpé toute la montagne, il est redescendu. Ouais, balèze. Et en plus sur le chemin le plus dur. Lui, si le mec en face c'est pas un yakuza, je me coupe une couille. À deux films. Je filme pas. Je te filme toi, je te jure, je te filme toi. Moi je trouve ça fun de terminer avec un dragon tatoué dans le dos, hein, mais... De toute façon, l'alcool est femme facile. Mais... Va la boîte de nuit. J'avais vraiment regretté de pas en avoir fait un à deux queues la dernière fois. Cette femme. Bonjour. Et que veux-tu? Et elle se penche beaucoup. Totalement. Il y a des taxis de partout, c'est tout. Mais je crois que les gens rentrent. C'est l'heure, quoi.
動けない。新郷土料理ラーメン。わら c'est vrai, c'est comme ça. Moi, je fais l'habitude, tu sais. Ça fait une semaine et demie qu'on se balade dans la campagne, genre on nous voit marcher, il y a des chèvres limite. Il y a des biches. Est-ce que tu crois que c'est les gens qui reviennent après Tiffon? Non, je pense juste les gens moyens qui passent dans cette gare habituellement. Wouah. Le constat est sans appel. Kevin ne pourra pas prendre de douche dans cet appartement. Est-ce qu'on parle de la vue? On n'en parle pas parce qu'on a pas. Kevin. C'est ça. Ça va. Ça va. On est pas si mal. Et nous voici dans l'un des centres névralgiques de Kyoto. La bouffe. Ah, les glaces, mon gars, les glaces au Makara. C'était la vie. La vie, il y en avait partout. Tout ça a l'air fort délicieux. Il y a des takoyaki, mec. Ouais, j'ai vu. Comment est ton morceau de charbon de Kobe? この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Ouais, ça ressemble un peu au Golden Guy de Tokyo. Qu'est-ce que tu... Nouvelle étape de la chasse au kimono. Timothée, quels sont vos ressentis? C'est parti pour une bonne chasse. Il y a du bon spécimen. D'accord, nous sommes en pleine saison de toute manière. Surtout, nous sommes dans le bon lieu pour chasser le kimono. Exactement. D'ailleurs, je crois que même ici-bas, nous voyons des kimonos. La chasse kimono est-elle bonne? Il n'y a que ça partout. Mais par contre, le lieu est trop beau. C'est la lumière des chiens. Faut qu'on attaque les marches. Hein. Les mille tories. Oh, ça. Ça. Là. Petit temple. On doit aller sonner les cloches. C'est la sœur du temps, non? J'ai l'impression d'être passé dans un... Mec, la nuit. La nuit. T'as vraiment des petites lumières qui éclairent et tu te balades au milieu de ça, t'as vraiment l'impression de changer de dimension. Ça grimpe? Ouais. Est-ce que ça grimpe plus que ce qu'on a fait? Non, mais il y a trop de marches. Non, je pense pas.
On est déjà au top. Presque déçu. Et c'était facile. Ah, on a fait 100, 125 fois pire déjà. Bientôt sur vos écrans. Gabriel, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Aujourd'hui, on achète des guns. Oh my god. Oh my god, hein. Oh, c'est un gros calibre tout ça. Je viens de me arracher la voix. C'est les mêmes galeries dans n'importe quelle ville, n'empêche. Oui, bien sûr. Il y a beaucoup, beaucoup trop de gacha. Il y a tout ce que tu veux et beaucoup plus aussi. Tout ce que t'espères ne jamais croiser, c'est là. Intéressé pour 1000 yens? Il y avait des boîtes de thon. Des boîtes de thon. T'aurais vraiment craqué pour un truc? J'aurais pu en plus. Pour une boîte de thon? Ouais, je sais pas ce qui se passe. Je dois être malade. Alors, ça va. Deux hommes, deux niveaux. Kevin, on dirait qu'il tourne au méga ralenti, tu sais. J'en ai repos à Kyoto. Et c'est pas si reposant que ça, hein. On va dans un bar secret, secret défense, un peu caché et tout. Il faut un code. On a pas eu. C'est que on n'est pas super doué en escape game au Japon. Donc on va tenter de trouver le code. On va et tenter de rentrer dans le bar en moins d'une heure. Perso, j'utilise la carte Bagou Gabriel. À gauche. Gabriel, on va donner. C'est à toi. Et le magasin est juste là. Tu donnes tout, mec. Tu donnes tout, tu leur dis que t'es ok. Angel Liberty. Allez, demande, va. On t'attend là. Et on croise les doigts, mon gars. Rends-nous fiers. Arigato. Mais je me sens. Je me sens pas à l'aise, genre. Allez, Kevin, qu'est-ce que pour tes fans? J'ai un peu du mal à faire avec ces gibbles, hein. Tim, il est en train de manger la tasse. Par contre, je vais goûter quand même pour mon chocolat. Hey, bon, Kevin, un petit verdict sur ce qu'on vient de manger là? Mecha oishi. C'est tellement oishi. Maintenant, on va admirer Kevin se lever magnifiquement et ramper jusque là-bas. J'adore le voir se déplacer. Oh bordel. Très bien, très très bien. J'arrive à la hauteur du lustre. De la lumière. C'est parti. Allez Kevin, rampe.